Hier après-midi, l'APC a envahi la ville de Montrose, dans le Colorado. L'objectif était de, je cite, « neutraliser des cibles civiles importantes ». Mais cette riposte contre l'insurrection était démesurée. C'est le sang des innocents qui a coulé dans la grand-rue. Tous vos proches ont été abattus, comme des chiens. L'un des groupes de résistants de Montrose a, semble-t-il, pu s'échapper après une fusillade dans un quartier voisin. Reste à espérer que ces combattants de la liberté aient pu se mettre à l'abri dans l'une des nombreuses banlieues abandonnées. Quoi qu'il leur soit arrivé, nous nous battrons. Ne croyez pas aux mensonges des médias pro-coréens. Nous sommes la chaîne de la vérité et la voix de la liberté. Bonjour Montrose, vous écoutez KPAR 88.3 FM. Et voici l'info du jour. 24 civils américains ont été tués hier dans une fusillade menée par un groupe d'insurgés locaux. Les autorités de l'APC... Quelle foutue propagande. Vous êtes réveillés? Vous avez vraiment passé un sale quart d'heure, on dirait. Sortez quand vous serez prêts. Je vous ferai faire un tour. Le pilote est prêt. On partira après la prochaine patrouille. Venez. Bienvenue chez nous. Tout ça, c'est le petit bout d'Amérique. On a tous bossé pour créer cet endroit, former une sorte de communauté. C'est pas l'avenir qu'on espérait, mais au moins on est libre. De l'extérieur, ça ressemble un peu à un taudis de banlieue. Mais dedans, on est en toute sécurité. Des barrières, des arbres, des camouflages, tout ça nous protège de l'APC. Pourtant, on doit rester très prudent. Surtout en ce moment. Bien reçu. Contactez Rihanna. Elle prépare le terrain. Connor a les munitions. Tout ce qu'on mange est cultivé. On récupère l'eau là-bas. Avec les panneaux solaires et les éoliennes, on a juste assez d'énergie. Venez avec moi. Hey, salut. Ah, salut vous. Alors, on est de retour? Ça veut dire qu'on est prêt à y aller? Il y en a marre de rester planté là. On n'a vraiment pas beaucoup de temps pour récupérer ces balises. Alors on devrait s'activer au lieu de glander. C'est moi qui décide. Si on fait ça bien, tout le monde s'en sortira. Hooper va bientôt donner le signal. On se retrouve au tunnel. Ces fumiers vont avoir ce qu'ils méritent. Mieux vaut avoir Connor de son côté. Faites donc un tour. Je vous retrouve là-bas. Donc, on a le temps. Faites connaissance avec les autres. Cet émetteur-récepteur devrait nous permettre d'écouter les communications radio des Coréens. Je sais pas s'il marche bien, mais c'est mieux que rien, non? Vous êtes le pilote dont tout le monde parle, hein? On dit que vous avez pris de gros risques. On ne peut pas se permettre de compter sur la chance ici. On doit penser à nos familles. C'est qui le nouveau? Pilote. Hooper a installé ce système pour que je n'ai plus à puiser l'eau à la main.
1. C'est Hooper, la patrouille vient de passer. On se retrouve à la sortie du tunnel. Bien reçu, on y va. Venez, Jacobs. Il était temps. Écoutez, vous pouvez nous aider. On manque d'hommes pour la mission cruciale de ce soir. L'équipement que nous visons sera essentiel pour la suite. Ils sont plus nombreux et mieux équipés. Alors prenez une arme et le plus de munitions possible. Suivez-moi. À creuser ces tunnels au début de l'occupation. Il y a près de 5 km de passage sous nos roses. On en a creusé partout, sauf sous le mur qu'ils ont construit pour nous enfermer, bien sûr. Quand on aura libéré ce pays, on démantèlera ces murs. Jacob, bon travail là-bas. Merci pour votre aide avec Goliath. Occupez-vous du viseur. J'ai l'impression que vous avez compris comment ça marche. Rihanna a confirmé la livraison du camion et du mortier par la cellule Gunnison. Il y a une tour de surveillance entre nous et le terrain. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas détruite? Elle n'était pas là la dernière fois qu'on est venu en reconnaissance. On devrait pouvoir la contourner. Non. Il faut détruire ces tours. Attention, ces tours de surveillance sont équipées d'un radar caillou relié à un canon automatique de 20 mm. La ferme. Les systèmes de contrôle de tir. Jacobs, balancez une grenade à l'arrière de ce machin. On va se frayer un chemin. On attend le passage du projecteur et on y va. Si vous êtes pris dans son faisceau, mettez-vous à couvert et attendez. Ces choses sont peut-être intelligentes, mais moins que moi. J'y vais en premier. Allez, j'y vais. Sur moi. Jacobs, vous allez devoir descendre celui-là. Je suis trop vieux pour ça. Jacobs, avancez, descendez-le. Continuez. Choupo. Joli travail. Rihanna, on vient de faire sauter une tour de surveillance à moins de 100 mètres de la sortie du tunnel. Ne bougez pas. Je vois, à tout à l'heure. Ne faites pas de bruit. Jetez un coup d'œil. Je croyais que la patrouille était terminée. La prochaine n'était pas prévue avant 6 bonnes heures. On dirait qu'ils sont en avance. Si on veut attaquer, il faut faire vite. On va les prendre par surprise. L'outil sur le toit va avoir des ennuis. Jacobs, il est à vous. À votre signal, on y va.
조종선을 발견하면 생포하라. 네, descendez-moi ce gars. 산채로 데려오라고 하셨다. Allez, on vous attend. Tirez. Qu'est-ce que vous attendez? Tirez. Envoyez les patrouilles dès que le contact avec la tour de surveillance a été coupé. Autrefois, c'est moi qui patrouillais dans ces rues. Par là. C'est ça la zone de largage ? Gunnison a bien choisi l'endroit. Brooks a un drôle de sens de l'humour. On avait peur que l'APC trouve cet endroit ? Ouais, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Si le raid de ce soir se passe bien, ces salopards auront de quoi s'occuper un bon petit moment. Rihanna est à l'intérieur. C'est nous. Tirez pas. Boone, ça va? En pleine forme. Juste un peu sonné. La cellule Gunnison a livré les obus. Ouais, mais ils ont foiré. Ils ont pas envoyé les bombes. Non, c'est faux. C'est du phosphore blanc. J'ai vu ça avec eux. Quoi? Attendez, vous étiez au courant? Non, mais c'est quoi ce cas de conscience à deux balles? C'est là. Oh, bon sang! La sentinelle m'a touché. Ça en fait du sang. Les balises. Il faut que... Wow, du calme, ok? On va s'en occuper. Mort vous servirez à rien. Il a raison. Gardez vos forces pour le voyage à San Francisco. Connor. Prenez ça. C'est mon badge. Trouvez Ernie. Il s'occupera de vous. Je ramène Boone. Et ensuite, je vous retrouve à la passerelle. Les gars. Faites gaffe à vous. On vous retrouve là-bas. Essayez de pas vous faire arrêter. J'espère qu'il s'en sortira. Ça va, c'est pas la première fois qu'on lui tire dessus. Bah ouais, je m'en doute. Il va s'en sortir. Ça doit être ça les armes que Boone nous a promises. Jacobs, trouvez-en une qui vous plaît. Bon, on vous attend dehors. On y est presque. Le camp de travail est en haut de la prochaine rue. Quel est le plan? La porte de devant est à peine gardée. On fait du bruit, on en descend quelques-uns et on attire les autres en dehors du camp. Ensuite, on s'infiltre. Vous appelez ça légèrement gardé? Suivez le plan. Faites du bruit dans 3, 2... Maintenant, balancez-les! Ouvrez-moi! Son...
Le camp de travail est en haut de la prochaine rue. Quel est le plan? La porte de devant est appelée. Vous appelez ça légèrement gardée? Oui, on en descend quelques-uns et on attire les autres en dehors du camp. Ensuite, on s'infiltre par derrière. Suivez le plan. Faites du bruit dans 3, 2... Maintenant, balancez-les! Détourner leur attention. Dirigez-vous vers le tunnel de ravitaillement. Il faut qu'on disparaisse avant qu'ils se mobilisent. Par ici. Attendez, deux secondes. On dirait que le plan fonctionne. Ils envoient une équipe. Je déteste cet endroit. Les gens qui habitaient ici autrefois étaient médecins ou avocats. Et maintenant, ils travaillent dans les mines. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour voir mon dentiste. La voie devrait être libre maintenant.
Cachons les fusils. Évitons de nous faire remarquer. Gardez votre arme de poing. Plus vite on retrouvera Arnie, plus vite on sortira d'ici. Ok, dispersez-vous et renseignez-vous. Je cherche un certain Arnie. Merde. Arnie est au fond. À l'autre bout de la rue, sur l'échafaud. Hé, hey, vous, c'est la première fois que je vous vois ici. Vous voulez parler à Elray? C'est cool. Elray a tout ce que vous voulez. Même des cigarettes à vie. Bienvenue dans la vision coréenne de l'Amérique. Ça ressemble à un rétablissement, selon vous. L'aide de la résistance, c'est ça. La ferme, Steve. Quoi? Je suis désolé, monsieur. Faites pas attention à la pression. On veut pas d'ennui. Virez-moi cet enfoiré, Coréen. Je suis américain, je suis né à Auckland, crétin. Peu importe d'où vous venez, vous et vos semblables n'êtes que des parasites. Allez-vous-en! Tu cherches à nous faire tuer ou quoi? Il passe leur temps à nous observer! Ah putain, je peux pas le croire! Hé, hey, monsieur, vous avez à manger? J'ai faim. Pitié, ça Casse-toi, fait des jours que j'ai rien mangé. Donnez-moi n'importe quoi. Je vous en j'ai prie. J'ai rien à manger. Dégage. Hé, hey, je cherche un certain Arnie. Putain, merde. Jamais entendu parler. Ça suffit. Montrez-lui ça et dites-lui que Boone nous envoie. Hé, hey, Connor, du calme. Où est Boone? C'est qui le nouveau? Le plan a changé. Vous pouvez toujours nous conduire au dépôt. Oui, enfin, à l'administration. Non, on doit se rendre au dépôt des bus. Les balises sont forcément dans le coin. Oui, je vous fais entrer. Mais vous devrez me suivre et faire tout ce que je vous dis. Venez. Vous pouvez vraiment faire sortir ma famille d'ici. La résistance n'oublie jamais ses amis. J'espère bien, j'ai une fille adolescente. Il peut arriver des choses terribles à une fille de son âge dans un endroit comme celui-ci. Vous devriez lui apprendre à tirer. Les femmes peuvent se battre aussi. Vous êtes fous? Pas question que ma fille rejoigne la résistance. Je pensais qu'il y aurait plus de gardes. Ils ont dû s'enfuir en vous entendant quoi, arriver. C'est quoi ça? C'est une zone de stationnement pour les bus, un endroit où attendre avant de rejoindre les mines de schiste. Et c'est même pas verrouillé. On n'a pas besoin de clé. Vous inquiétez pas, je m'en suis occupé. À quoi ça servirait qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur, hein? Et ils m'ont fait une meilleure offre. On aurait pu nous aider. C'est fini. Les Coréens ont gagné. C'est fini. C'est fini pour vous.
là-haut, et liquidez-les. On fout le camp d'ici. Rihanna, on les a. On se retrouve sous l'autoroute. Je suis en route. Boone se repose, ça va aller. On va couper par le terrain de baseball et traverser la rigole d'écoulement d'Elm Street. Allez, c'est droit devant! Accrochez-vous à ces balises, Jacobs. Bon, ces camions-citernes ne seront en ville que pour quelques heures. Faut qu'on les trouve avant qu'ils quittent Montrose. Prenez un hélico et suivez-les. Ok, vous savez ce qu'il faut faire. Il est là-bas. Vous arrêtez pas. On devrait faire demi-tour. C'est quoi ce plan? Jeter dans une fosse comme des ordures? Combien y a de personnes dans ce fossé? Espèce de fils de pute. Saloperie de merde! Bande de connards! Vous croyez pouvoir nous piéger? Sans doute, vous envahissez notre pays! Vous tuez nos familles! Faut qu'on liquide ces sentinelles! Je vais vous cramer la gueule, bande d'enfoirés! On n'est pas du bétail. Faut qu'on se prenne un chemin autour du terrain. Rapprochez-vous de ces tours pour lancer une grenade. Allez, venez vous battre. Vous allez payer ça, quatre connards. Je change de chargeur. Tonnage. Ça mitraille dans ma direction! Faites-moi un tir de pièce sur la balle! On peut tirer dessus! Protégez-moi, Jota!
D'autres grenades. Venez les chercher. Bien. Tout le monde est mort. Vous êtes content maintenant ? Ouais, plutôt. Regardez bien. Bon sang, Connor. Y a rien à dire. Merde. Qu'est-ce qu'on fait ? On entre. Quoi ? On entre ! Hooper, maintenant ! Allez, Hooper, montez ! Ils arrivent ! Couchez-vous ! Quoi ? Couchez-vous ! Jacobs, venez ! Maintenant ! Les gars, on va être en retard. Restez en position. On vous retrouve à l'arrière de l'école.